tous survivants à ces gens morts dans les camps parce qu'ils étaient gitans à toutes ces femmes plus vaillantes que leurs généraux oubliés de tout prêts à se battre hein, pour un cadeau à tous ces hommes qui se rebiffaient s'assurant la peine de mort et à ces enfants élevés ou nés à l'ombre des miradors. Combien d'entre eux ont tenu jusqu'à la libération? Combien ont attendu toute leur vie un pardon que ce soit la gendarmerie parce qu'elle gardait ses mouvoirs? Donc ce projet en fait, donc c'est de recueillir la parole des deuxième et troisième génération de gens issus des gens de la communauté gens du voyage pour sur la période en fait d'internement des gens du voyage durant la Seconde Guerre mondiale. À travers donc la musique, la photo et un documentaire qui retracera un peu toute cette période-là et tous les témoignages qu'on pourra recueillir. Après les barrements des camps, ce fut ceux des renardières. Mon rébellé gravé à vie, certains y ont laissé des frères de la famille. Que ce soit proche ou éloigné, certains ont perdu la raison. La réalité qu'ils ont connue, le douf, les gardes, les barbelés, les larmes et les souvenirs. Bien trop lourds à porter avant les chemins de fer bombardés. Et que la France soit libérée, combien de trains de la mort et combien de déportés de Drancy, de Poitiers, de Argelès ou de Salé. L'origine de Vichy étant sa personne ne peut nier de voir de mémoire. Pour pas que l'oubli ne gagne, une prière pour les victimes du génocide cigane. Okay.